Pour July. Thank you for coming out on such a wonderful evening. Il fait beau, il fait soleil. Merci d'être là quand même avec nous ce soir. On va faire comme d'habitude, donc on va passer à travers l'ordre du jour et on va vous demander de vous nommer à la fin de la réunion pour poser les questions. So at the end of the meeting, just stand up, give us your name and ask the questions and we'll try and answer to the best of our abilities. So, bonne réunion tout le monde. Merci. Dans ce conseil, vous avez pris connaissance de l'ordre du jour avec l'ajout du point numéro 643, qui est étude de sécurité MTQ au coin de la 364, 329 et la rue Bennett. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ordre du jour avec cet ajout? Oui. Qui propose? Je propose. OK. Ceux qui n'y proposent, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications? Non. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Je propose. M. McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.2, procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 20 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Aucune correction. Qui propose l'adoption? Je propose. M. Lemire propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.3, procès-verbal de la séance du comité consultatif en environnement du 8 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des commentaires, corrections? Non. Qui propose l'adoption? Je propose. M. Sournier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 3.4, procès-verbal du comité de démolition du 14 juin. Vous avez pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des corrections? Non. Qui propose l'adoption? M. McLaurin? Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. 4.2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions, membre du conseil? Non, ça va. Rapport sur les transferts budgétaires, également pour dépôt. Excusez-moi, oui? Il manque, après le rapport mensuel du directeur général, 4.4. Oui, effectivement, le rapport mensuel de M. Lépine pour dépôt, il y a des questions. Ça va. Donc, on va aller au point 5.1, voie de l'autre dépense. M. Lemire. Oui, j'ai revu le bord de haute dépense pour la période du 1er juin au 30 juin 2023, qui s'élève à 2 061 751,76 $. Et j'en recommande l'adoption. Parfait, merci beaucoup. Les grandes dépenses de ce mois-ci, c'est la Sûreté du Québec et les matières résiduelles à la MRC. La Sûreté du Québec, c'est au-dessus de 600 000, puis la MRC, c'est 231 000. Merci. En matière résiduelle. Donc, proposé par M. Lemire, tout le monde est d'accord? Oui. D'accord, oui. Merci. État des activités financières, M. Lépine. Oui, alors on en est au milieu de l'exercice financier 2023. Du côté donc des dépenses, les services municipaux sont tous très disciplinés. On en est à 52% des dépenses prévues au budget pour l'ensemble de l'exercice. Habituellement, cette période-ci de l'année, on est toujours même un peu plus avancé que ça. L'essentiel des dépenses de la municipalité, la majorité des dépenses se font dans la première moitié de l'exercice financier. Alors, de ce côté-là, ça va. On va continuer à surveiller attentivement au chapitre des revenus qui sont cédés des droits de mutation immobilière sous le maire. Puisqu'on l'a déjà souligné antérieurement, ça entre plus lentement que prévu, donc on suit ça mois par mois. Parfait, merci beaucoup. Puis juste pour informer les gens de la salle, ceux qui ont vu qu'il y avait beaucoup de dommages dus aux pluies diluviennes qu'on a eues dans les dernières semaines, mais la municipalité de Morneys fait partie d'un décret qui permet de réclamer des dépenses au ministère de la Sécurité publique. Donc, les réparations qu'on fait présentement devraient être assujetties à des subventions du ministère de la Sécurité publique. Ça devrait nous aider au niveau budgétaire également. 5.4.1, demande d'aide financière au fonds de défense des intérêts des municipalités. Monsieur Lebel. Oui, alors la municipalité est actuellement dans la Cour du Québec dans un dossier concernant l'imposition de droits de mutation immobilière pour les contrats clés en main.
Il y a des questions de droit, d'intérêt et du côté de la Fédération québécoise des municipalités, il y a un fonds d'aide, donc un fonds de défense des intérêts des municipalités lorsqu'il y a des points de droit qui peuvent être d'intérêt non seulement pour la municipalité de Montréal, mais pour l'ensemble des municipalités québécoises. La résolution vise à autoriser le dépôt d'une demande qui pourrait permettre à la municipalité d'aller chercher un montant d'à peu près 10 000 pour couvrir les honoraires dans ce dossier. Qui propose la demande à la Fédération québécoise des municipalités? Mme Patneau propose, comme on est d'accord? Oui, d'accord. Merci. 5.4.2. Autorisation acquisition des lots 3.736.572, 3.923.313, 3.737.105, 4.474.782, 3.735.925 et 3.735.850. Pour ceux qui suivent les réunions du Conseil depuis les deux dernières années, on a fait une négociation avec la famille Basler pour l'acquisition de tous les terrains qui sont un peu à l'est d'ici, entre ici et la rivière. Et puis, le ministère des Affaires municipales a approuvé notre règlement d'emprunt, donc on va pouvoir procéder à l'achat de ces terrains. Donc, considérant que le règlement a obtenu l'approbation ministérielle le 4 juillet, il est proposé d'approuver le projet d'acte notarié devant permettre de conclure la transaction d'acquisition des 6 lots ci-haut mentionnés et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document devant donner suite à la présente. Qui propose l'acquisition des lots? Je propose. Madame McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Enfin, on va pouvoir aller de l'avant avec ça. 5.4.3, deuxième belle résolution, autorisation, acquisition des lots 4.186.899, 4.186.900, 5.491.369 et 3.737.991, le domaine des Sœurs. Donc, encore, ceux qui suivent les réunions du Conseil, vous savez qu'on a utilisé notre droit de préemption pour s'assurer de préserver le terrain des Sœurs pour différents usages communautaires que le Conseil n'a pas décidé encore. Mais au moins, on est sûr que ce terrain-là va être préservé pour la communauté dans le futur. Et le gouvernement a approuvé notre règlement d'emprunt. Fait que deux gros règlements d'emprunt qui vont nous permettre d'acquérir ces belles propriétés-là. Donc, je vous demanderai qui propose la résolution. Je propose. Madame Patneau propose. Okay. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel du directeur en incendie. Monsieur Marié, est-ce que vous avez des questions? C'est pour dépôt? Non. D'accord. Rapport mensuel du rapport de la Sûreté du Québec. Y a-t-il des questions? Non. Peut-être j'aimerais mentionner à ce moment-ci que la Sûreté du Québec donne un bon service cet été au niveau de la vitesse et le bruit. Ils ont fait au-dessus de 4 ou 5 opérations depuis le fin mai, ici sur le territoire de Mornings. Et au niveau de la vitesse, il y a eu une quarantaine de constats qui ont été donnés. Au niveau du bruit des motos et des autos, il y a eu 15 constats donnés à date. Puis je pense que ça commence à porter fruit tranquillement. Les gens, ils savent que la police est ici. Ils font attention. On a notre campagne de sensibilisation contre le bruit avec nos afficheurs. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, on devrait faire des petites affichettes qu'on va distribuer aux gens dans les secteurs problématiques, qui vont pouvoir mettre sur leur gazon qui dit « Faites attention au bruit, faites attention à la police. » Donc, on continue notre campagne de sensibilisation à ce niveau-là. On va aller à 6.4.1, adoption règlement SQ 2023 sur la circulation, le stationnement, la paix et l'ordre. Et, membre du conseil, je vous demanderai une dispense de lecture parce que c'est très long. Donc, je demanderai à M. Lépine juste de faire un petit sommaire des... Oui. Des alors, en fait, ça se résume très rapidement. On se souvient qu'on est dans un contexte de règlement uniforme sur ces questions-là avec l'ensemble des municipalités de la MRC des pays d'en haut pour en faciliter l'application par les policiers que l'on partage tous ensemble. Donc, ce règlement-là est une mise à jour pour permettre à toutes les municipalités de se mettre à niveau. Dans notre cas, nous étions déjà à jour. Les seuls changements à noter sont aux annexes du règlement. Donc, on y a ajouté les nouvelles rues qui ont été créées depuis 2 ans. Donc, pour officialiser, par exemple, les arrêts obligatoires et les limites de vitesse et permettre aux policiers de les appliquer. Et il y a également un changement
dans les annexes concernant la limite de vitesse sur le chemin du lac Écho entre le chemin du village et la rue Sunset qui passera de 40 à 30 km/h. Après, qui propose la modification des SQ? Je McLaurin propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 642, adoption du règlement 742-2023, modifiant le règlement 370-2003, relatif à la circulation des camions des véhicules outils afin d'ajouter une zone de restriction supplémentaire sur la rue Bennett. Oui, donc le titre résume assez bien, M. le maire, de ce règlement-là. Donc, il vise à ajouter la rue Bennett parmi les rues de la municipalité, les rues et chemins municipaux, où la circulation des camions lourds et des véhicules aussi est interdite et évidemment limitée à la livraison locale. Parfait. Qui propose la modification du règlement pour interdire la circulation de camions sur Bennett? Je propose. McLeod propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 643, demande de mesures additionnelles de signalisation et de sécurité au ministère des Transports du Québec à l'intersection des routes 329, 364 et Bennett. Donc, attendu que la municipalité ait reçu des représentations de ses citoyens et d'usagers de la route relativement à la sécurité de l'intersection des routes 329, 364 avec la rue Bennett, qui ne sont pas tout à fait en ligne. Attendu, conformément aux articles 2 et 4 de la loi Savoirie, le ministère des Transports a la responsabilité de procéder aux aménagements et à la signalisation nécessaire pour assurer la sécurité des routes qui sont sous sa gestion, dont les routes 329 et 364. Il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de mettre en place des initiatives dans la signalisation et le fonctionnement des feux de circulation afin d'améliorer la sécurité des usagers de la route à l'intersection de la rue Bennett et des routes 329 et 364. Donc, au fait, c'est de demander une étude de sécurité afin que les gens qui sortent de Bennett, qui veulent aller tout droit, puissent le faire sans que quelqu'un tourne à gauche en avant d'eux autres. C'est une problématique. Les lumières ne sont pas faites en fonction de ça. Donc, on aimerait que le ministère analyse ça et propose des solutions. Qui, c'est beau, Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.1, rapport mensuel de M. Desfossés, notre directeur des travaux publics, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. 7.2.1, contrat, réfection de chaussée, chemin du village, Carver. M. Lévesque. Alors ici, donc c'est un projet, le PTE, le programme triennal d'immobilisation de la municipalité pour cette année. La municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation, donc pour ce contrat de réfection de chaussée des chemins du village, en fait la portion, une portion de chemin du village entre la 364 et la rue Carver. La municipalité a reçu les deux soumissions conformes suivantes, à savoir parage multipro, 132 873,28 taxes incluses, et LEGD, 135 294,33. Il y a une diminution de 5% des contingences qui étaient prévues pour vos projets qui ont été appliquées. Et la recommandation vous est faite d'octroyer le contrat donc, dans ce dossier à Pavage Multipro incorporé pour une somme de 110 314,05 taxes en sous. En fait, qui propose l'octroi du contrat de Pavage? Je propose. M. Lemay propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À ce moment-ci, j'aimerais passer la réunion à M. McLaurin, puisque je divulgue mon emploi avec David Riddle Excavation. M. McLaurin va faire la résolution en anglais et M. Saunier va le faire en français. Okay. Yep. Contract, sediment catchment work, Rue Ben Balmoral. Considering the municipality's PTI 2023-24-25 budget, considering regarding contractual management and its regulations regarding the management of call for tenders for contracts over $121,200. Considering that the administration proceeded with a call for tenders by invitation via CO for the sediment catchment work, Rue Balmoral. Concerning that the following businesses were invited, specifically David Riddle Excavations, Enterprise Claude Rodrigue, and Excavation Mario Target, Excavation Serge Robert, Excavation Daniel Filion, and Gru Mini Excavation.
Considering that the work for this project was financed via budgetary credits voted on and available in the municipality's 2023 operating budget and via the water service financial reserve. Considering that the municipality has received a single compliant bid specifically David Riddle Excavation, $60,882.71. Whereas discussions were held with the sole compliant contender as per Article 938.3 of the Municipal Code, and in doing so, they have accepted to revise their bid to the amount of $33,699.17, including taxes as shown on the received bid for which council members have been made aware of. Considering that the municipality withdrew certain work from the tender, considering it proceeded with the analysis of tenders received and has presented its report, recommends the granting of the contract to the lowest compliant bidder, pursuant to the discussions held in accordance with the law. Considering the Municipal Works Act of RQ Chapter T14, it is proposed by and resolved to authorize the carrying out of the work for the sediment catchment along the Rue Balmoral, to grant the contract to the sediment catchment work, Rue Balmoral, to David Riddle Excavation Transports for the amount of $33,699.17, including taxes, conditional on the obtaining of the permit ministerial, the pertinent ministerial authorization, that the Director General be authorized to sign any documents as a follow-up. The Mayor returns to the Council. Not yet. Who move? Who can I move? On fait le mettre en français avant, je pense. Vas-y. S'il s'agit de faire un bassin de captation de sédiments sur la rue Balmoral, comme vous avez entendu, parce qu'il y a des problèmes, ça se rendait sur les terrains des gens, puis c'était proposé, ça a été ajusté pour tenir compte des forts volumes aussi. C'est pour ça qu'on l'accepte. On devait le retarder, c'était fait correctement. Travaux d'aménagement de captage des sédiments rue Balmoral. Monsieur le maire divulgue que son intérêt l'a fait, considérant le PT 2023-2024-2025 de la municipalité, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle et ses règles sur la conduite des appels d'offres pour les contrats de plus de 121 200 $, considérant que l'administration a procédé à un appel d'offres sur invitation via la SEAO pour les travaux d'aménagement de captage des sédiments, ça c'est comment c'est affiché globalement, considérant que les entreprises suivantes ont été invitées, à savoir David Riddle Excavation Transport, entreprise Claude Rodrigue Incorporée, excavation Mario Paget, excavation Serge Robert, excavation Daniel Fillon, Groumini Excavation, attendu que les travaux de ce projet sont financés via les crédits budgétaires votés est disponible le budget de fonctionnement 2023 de la municipalité et via la réserve financière du service de l'eau, considérant que la municipalité a reçu une seule soumission conforme, soit David Riddle Excavation Transport, au montant de $60,882.71, attendu que des discussions aient été tenues avec le seul soumissionnaire conforme en vertu de l'article 938.3 du Code municipal et que ce faisant, celui-ci a accepté de reviser sa soumission à une somme de $33,699.17, incluant taxes, telle qu'en faisait foi sa soumission revisée dont les membres du Conseil ont pu prendre connaissance. Considérant que la municipalité a retiré certains travaux de devis, considérant qu'il a été précédé à l'analyse de la soumission reçue et qu'un rapport a été déposé, son rapport, quelque chose ou pas. Il recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme suivant les discussions tenues conformément à la loi, parce qu'elle nous permettait de le faire s'il était le seul, considérant la loi sur les travaux municipaux. Sur la proposition, il est résolu d'autoriser la réalisation des travaux d'aménagement de captage des sédiments sur le long de la rue Balmoral, d'octroyer le contrat pour les travaux d'aménagement de captage des sédiments rue Balmoral à David Riddle Excavation Transport pour le montant de $33,699.17, taxes incluses,
conditionnement à l'obtention des autorisations ministérielles afférentes, d'autoriser le directeur général à signer tout document devant donner suite à la présente. Le maire, bon, le maire revient. Monsieur le maire, c'est à vous. Non, c'est pas moi. Qui propose? Je propose. Je propose. Alors, je propose. Pas de... J'appuie. Monsieur Lépine, vous choisissez. Ouais, c'est fait. C'est bon. C'est bon? Oui. Merci beaucoup, monsieur. On va répéter l'exercice un peu plus tard. 7, 2, 3. Contrat, acquisition et installation d'éclairage décoratif au cœur du village. Donc, considérant le PTI 23, 24, 25 de la municipalité, considérant le règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle et ses règles sur la conduite des appels d'offres pour les contrats de plus de 121 200, considérant que l'administration a procédé à un appel d'offres via la SAO pour l'acquisition et l'installation d'éclairage décoratif au cœur du village. Considérant que les travaux prévus au projet sont autorisés par le règlement 667-2023, pourvoyant au financement de travaux de conversion de l'éclairage routier à la technologie DEL et décrétant un emprunt en conséquence. Considérant que la municipalité a reçu la soumission conforme suivante, donc un seul soumissionnaire, soit Bruno Électrique, à 1 042 855 $ et 5 sous. Attendu que les discussions ont été tenues avec le seul soumissionnaire conforme à partir de l'article 938.3 du Code municipal et que, ce faisant, celui-ci a accepté de réviser sa soumission à une somme de 630 961 $ et 94 sous, incluant taxes, telle qu'en fait fois la soumission révisée dont les membres du conseil ont pu prendre connaissance, considérant que la municipalité a retiré certains items du devis, considérant qu'il a été... qu'il a été procédé à l'analyse de la soumission reçue et qu'un rapport a été déposé. Il recommande l'octroi du contrat au seul soumissionnaire conforme. Suivant les discussions tenues conformément à la loi, il est proposé d'octroyer le contrat pour l'acquisition et l'installation d'éclairage décoratif du village à Bruno Électrique pour le montant de 630 961 $ et 94 taxes incluses, conditionnellement à l'obtention des autorisations ministérielles afférentes et d'autoriser le directeur général à signer tout document qui devait donner suite à la présente. C'est important de dire que ces travaux-là font l'objet d'une subvention du gouvernement fédéral qui couvre l'ensemble de la dépense, sauf une petite portion pour la ville. Là, M. Lépine, c'est combien? C'est environ un peu moins de 100 000 $. Moins de 100 000 $ sur 630 000. Les crédits de la prévue au règlement de ce projet. Exact. Qui propose le contrat à Bruno Electric? Mme Patnaud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 7.3.1, modification de contrat, service professionnel en ingénierie, aménagement d'un site d'élimination des neiges usées et des gestions de braque. Monsieur Lévin. Alors, le conseil municipal, le 10 mai dernier, a autorisé par la résolution 193-05-23 l'octroi d'un contrat de 64 386 $ taxes incluses de GDI Expert, conseil pour des services professionnels en ingénierie là, pour l'aménagement d'un site d'élimination des neiges usées et de gestion des braques, et que, évidemment, à l'époque, ça avait été fait conformément aux règlements qui sont en vigueur. Ce qu'on constate, c'est que, évidemment, les conditions ont toutes été respectées à ce jour, mais il y a une modification qui est demandée pour viser à l'ajout d'heures supplémentaires, puisque les trois scénarios qui ont été étudiés dans le cadre de ce mandat ne rencontrent pas les critères gouvernementaux pour l'aménagement de sites de neige usée. Donc, une modification contractuelle qui est, dont on demande au conseil l'autorisation pour ajouter 15 000 $ plus taxes à la valeur du contrat et permettre d'amorcer l'étude d'autres sites potentiels pour l'aménagement de ce site. Parfait. Qui propose l'augmentation du contrat de GDI? Je propose. À 15 000. Madame McCloud propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez pris connaissance du rapport sur les demandes faites à la municipalité. Y a-t-il des questions? Pardon? 761, modification, règlement 668-2023 pour voyant au financement des travaux de voirie 2023 et décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lepin. Oui, alors une modification que je vais résumer assez rondement. On se rappelle que le règlement 668-2023, c'est le règlement d'emprunt qui pourvoit au financement des travaux de voirie 2023 et qui décrète un emprunt en conséquence. L'objet de la modification qui est proposée par résolution vise à intégrer les travaux de la rue Bennett de manière à permettre à la municipalité de pouvoir bénéficier de la subvention de 301 537 $
accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Et cette modification n'apporte aucun changement à la charge fiscale qui avait été prévue au règlement initialement, ce qui fait que le Conseil, en vertu de la loi, est autorisé à modifier le règlement par résolution. En fait, qui propose la modification de la résolution pour intégrer les travaux de Bell? Madame McLeod propose, tout le monde est d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Les travaux sont commencés en date d'aujourd'hui, je crois, ou hier. 8.1, rapport mensuel de la directrice en urbanisme, ça avait pris, ou au fait, c'est le directeur hein, qui remplace, là, ouais, Monsieur Royer, on va changer ça, ouais. Fait que vous avez pris connaissance du rapport de Monsieur Royer, as-tu des questions? Non. 8.2, rapport sur les permis et certificats, vous avez pris connaissance du rapport également de Monsieur Royer, as-tu des questions? Question. On est encore à 31 Maisonneuve, j'ai fait la vérification, là, en date de hier. Rapport 8.3, rapport d'activité de la Société de protection et de contrôle des animaux. On a reçu le rapport ce mois-ci. Puisque c'est le cas, on va aller à 8.4.1, dérogation mineure, 50 rue du Refuge. Monsieur Lépine, on va mettre le plan à l'écran. Et on va ouvrir la dérogation mineure à 19h56. Alors, si vous permettez de faire. Vas-y. Alors, les deux premières demandes de dérogation mineure là, sont interreliées. Une première demande de dérogation pour le 50 rue du Refuge. Donc, dans le cas du 50 rue du Refuge, c'est la mise en commun d'une allée de circulation desservant deux terrains non adjacents à la même rue, alors que la réglementation en vigueur exige que les deux terrains soient adjacents à la même rue. Et celle du 60 du refuge, elle, vise à donc à la distance entre deux entrées charretières situées sur le même terrain à 1,5 m, alors que la réglementation en vigueur exige une distance minimale de 6 m. Je vous signale que le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là au 50 du refuge et évidemment la seconde au 60 du refuge. Et dans les deux cas, on recommande l'acceptation par le conseil. Parfait. Donc, peut-être juste pour expliquer, si vous voyez le plan, il y a un milieu humide qui est en haut du plan qui ne permet pas le 6 mètres de dégagement entre les deux. C'est pour ça que le requérant a demandé la dérogation pour le 1 mètre versus 6. Et la deuxième dérogation qu'on va voir, c'est la mise en commun des entrées charretières pour éviter beaucoup de déboisement et de dynamitage. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions concernant la première demande de dérogation mineure. Ça se trouve dans le domaine tourtour, en haut. Ça va? Je demande du conseil, à vous des questions, non? Donc, on ferme la réunion de dérogation. Madame? Mon Dieu, c'est un chat. À un chien. Proposé par Mme Cassette. Tout le monde est d'accord. Zakoupa. On va aller à la deuxième dérogation mineure, si vous le permettez. Dérogation mineure, 60 rue du Refuge. Peut-être juste spécifier la différence, M. Lépine. Dans celui-là, ouais. Ça va être à 19h50. Okay. Donc, on se rappelle, la distance dans 60 du Refuge, là. C'est la distance entre les deux entrées charretières, donc à 1,5 m, alors que la réglementation exige une distance minimale à 6 m. C'est bon. Donc, sensiblement la même demande qu'on a faite. Oui. Pas de question? J'ai juste une question sur oui. Les dénivelés sur cette terrain-là. Ça a l'air une ligne de cours, mais assez proche les unes des autres. Oui. C'est pour ça qu'on ne permet pas l'entrée par là. L'entrée va partir de la rue du Refuge en haut et non du chemin tourtour. Ah, OK, je viens de comprendre. Pour éviter ça, justement. C'est bon, ouais. Merci. Ouais. Je suis avec c'est vous. Bon. Ouais, c'est bien ça. C'est bon? C'est bon. Proposé par Mme Patton? Oui. Oui. Merci beaucoup. Donc, on ferme la réunion à 19h50. On va aller à 8.4.3, dérogation mineure 21, chemin du lac Écho. Monsieur Lépine. Ah,
Alors, chemin du lac Écho, 21 chemin du lac Écho, donc une demande de dérogation mineure, et on verra un petit peu plus loin, qui est associée à une demande de PIA. Mais pour ce qui est de la demande de dérogation mineure, donc c'est une demande qui avait été déjà traitée dans une assemblée, en fait une séance ordinaire du conseil antérieur. Le conseil avait retourné pour révision au comité consultatif d'urbanisme pour vérifier si il y avait une valeur patrimoniale particulière à y attacher qui aurait pu conduire le CCU, le conseil, à une conclusion contraire. Mais le CCU, donc, a traité le tout et a réitéré sa recommandation d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors, et cette demande-là, c'est la marge de recul latérale droite projetée d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal de 1 mètre, alors que la réglementation en vigueur exige une marge de recul latérale minimale de 4 mètres. La largeur projetée de l'abri d'auto attenant de 70,2% de la largeur de la façade avant du bâtiment principal, alors que la réglementation en vigueur autorise une largeur maximale de 50% de la largeur de la façade avant du bâtiment principal. Il y a également la marge de recul latérale gauche projetée d'une véranda 3 saisons attenant au bâtiment principal à 1,2 m, alors que la réglementation prévoit 2 m. Et finalement, le pourcentage d'occupation du sol projeté à 38%, alors que la réglementation prévoit à 30%. Donc, pour ceux qui connaissent le secteur, c'est juste en arrière du marché Bérancourt, il y a un petit bâtiment qui était avant le bâtiment Bell. On appelait le bâtiment Bell Canada. Tout petite maison et la madame veut rajouter un carport et un petit balcon dessus. Vous allez voir plus loin dans les PIA, les plans de ça. Mais pour l'instant, c'est des marges de recul pour l'implantation du carport et l'implantation de la galerie. C'est des questions pour cette dérogation mineure? Cette question. It's an addition to the building? Yeah. Yeah, one is the carport on the right, and the other is the little galley on the left. It's an abri de tout. Is it going to be a gap? It's not a carport, it's an abri. It's not a carport. L'abri de tout, tu l'enlèves. Non, non, c'est pas quelque chose qui s'enlève. Ah, c'est pas un abri. Non. OK, c'est un carport. C'est ça. OK, j'avais compris. C'est ça. Pour un abri de mon c'est le minimum qu'elle peut faire. Exactement. C'est ça. Donc, c'est bon? Proposé par Mme Cossette. Tout le monde est d'accord? D'accord. Oui, je suis d'accord. Merci. On peut fermer la dérogation mineure à 20h02. Oui. Après ça, on va aller à 844. Dérogation mineure, 439, chemin du village. On va l'ouvrir à 20h03. Alors, ici, 439, chemin du village. Donc, il s'agit de modifier, en fait, la superficie projetée d'un bâtiment accessoire de 92 mètres carrés. Donc, c'est ce qui est projeté alors que la réglementation en vigueur autorise une superficie maximale de 75 mètres carrés. Donc, encore là, le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là et en recommande l'acceptation. Donc, il pourrait avoir un garage un petit peu plus grand que ce que la réglementation permet. Mais on ne le verra pas de la rue. Ça se trouve être sur le chemin du village entre Jonathan et Laurent 2. Une maison avec, vous le voyez un peu avec la photo, là. Une grande, une longue entrée qui s'en va au loin. Puis le garage se trouve en arrière de ces arbres-là, donc on ne le verra jamais. Est-ce que des questions concernant la dérogation mineure dans la salle? Ça va? Proposé par Mme Patnaud. Tout le monde est d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci. Merci. 845, dérogation mineure, lot 4,485,198, chemin du lac Écho. Oui, alors dans ce cas-ci, demande de dérogation mineure qui, je vous le passe ici, donc, donc, vise à autoriser l'implantation d'une clôture sur un terrain qui est vacant alors que la réglementation en vigueur exige la présence d'un bâtiment principal sur le terrain. Pour ceux qui connaissent le terrain, c'est pas loin du domaine 16 Arpents. C'est un sentier qu'on utilise l'hiver qui appartient, c'est le terrain de M. Basler, là, que beaucoup de gens utilisent l'été. Il veut installer une clôture pour que les gens arrêtent d'utiliser le sentier l'été.
parce que c'est pas un sentier qui est ouvert par la ville, mais les gens l'utilisent quand même. Donc, on veut lui permettre de s'assurer d'avoir l'intégrité de sa propriété, tout simplement. Recommandation favorable du CCU, conditionnellement à ce que la clôture soit de couleur foncée et que la hauteur, évidemment, respecte la réglementation ambiante. Ouais. Donc, y a-t-il des questions dans la salle concernant la Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir le sentier hiver? On travaille avec M. Basler dans ce sens. Vous avez dit mettre ça conditionnel? Bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Déjà qu'on est, on a fait une négociation de longue haleine avec M. Basler sur l'autre terrain. Fait qu'on va travailler dans ce sens-là. Puis en plus, on devient acquéreur ce soir du terrain en face. Ça fait partie du lot des terrains qu'on a acheté de M. Basler. Fait que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose quand que M. Basler va vouloir subdiviser ce terrain-là. Puis le garder en fait par. Tu vois, c'est un petit bio, là, ça? Oui, exact. Il va en bio, il va avoir une plus belle clôture. Donc, ça va être un petit bio. Ça va être du garde dans le monde. Exactement. Il a trouvé un autre moyen qu'il a le droit pour bloquer la circulation. Donc, membre du conseil, qui propose? Je ne propose. Madame Mécois propose, tout le monde est d'accord. Oui. Merci. On va aller dans les PIA. Donc, PIA, l'eau. 3 206 671 rue des Huards. Monsieur Lepage. Vous avez mal à votre souris. Le souris est fatigué. Alors, j'y arrive 20 C'est ça, ils ne sont pas en ordre avec la séance qu'on a. Moi, je pense que c'est l'autre document. C'est le document? Oui, j'ai l'autre document. Ah, vous en haut de ça. Oui. Oui. Merci. Pas de problème. C'est dans le bon document, mais pas dans le bon. On va l'avoir, on va l'avoir. On y arrive. C'est ça. Non, il reste. On l'indique, on mesure de l'indique son repos. Non, non. Bon. Il est huant, on va devoir l'avoir. Alors. Voilà. Alors, donc, PIA qui est dans un secteur d'élévation. La proposition, c'est d'obtenir la permission de la municipalité d'obtenir un PIA pour permettre au propriétaire de procéder à la construction d'un bâtiment de l'instance, c'est-à-dire une résidence unifamiliale dans le cadre du règlement sur les PIA. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la proposition, recommande au conseil d'accepter celle-ci et d'approuver donc les plans conformes aux objectifs, aux critères d'évaluation du PIA. Ça, c'est le bâtiment proposé. Ouais. Donc, recommandé par le CCU, membre du conseil, qui propose l'adoption du PIA. Propose. Mme Cossette propose, tout le monde est d'accord? Ouais. Merci. Je vous signale dans le dossier tous les critères que le règlement est respecté sans aussi. On va aller au 847 PIA, 3 737 440. Peut-être juste pour préciser aux gens de la salle, la seule raison pourquoi que ces terrains-là vont au PIA, c'est à cause que la hauteur est plus que 350 mètres. Notre nouveau règlement stipule que toutes les propriétés en haut de 350 mètres, donc nous autres on appelle ça les propriétés en hauteur doivent passer par un PIA pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop visibles par rapport aux allées de circulation. C'est ça l'objectif. C'est le même cas ici. Donc, c'est le lot 3 737 445 sur le chemin des hauteurs. Oui, alors, donc on est dans la zone RV7 et un lot qui est situé dans cette zone-là, vous l'avez mentionné, fait aussi l'objet. Doit faire l'objet en fait d'un plan d'intégration et d'implantation et d'intégration architecturale. Ce projet-là vise également à permettre aux propriétaires de procéder à la construction d'un bâtiment principal, c'est-à-dire une résidence familiale conformément au règlement.
Le comité consultatif d'urbanisme a étudié cette demande-là et en recommande l'approbation. Donc, vous avez à l'écran les éléments qui ont été étudiés par le comité consultatif d'urbanisme. Je vais vous amener au résumé à la toute fin. Alors, l'évaluation a été faite sur l'ensemble des critères et ça répond à 75% des critères prévus au règlement, c'est-à-dire 6 sur 8 recommandations favorables. Et en plus, ça correspond aux maisons qui sont dans le voisinage immédiat, c'est le même look. Donc, membre du conseil qui propose le PIA. Je propose. Madame Padneau propose. Tout le monde est d'accord? On va aller au 848, PIA, 21 chemin du Lac-Écho. C'est le même bâtiment dont on parlait tout à l'heure. Oui. Petit bâtiment de Belle à côté du marché Vaillancourt. Là, vous allez voir le plan qui allait avec la dérogation mineure sur les marges. Oui. Donc ça, c'est le bâtiment actuel que vous voyez en avant de vous. Et on a un dessin de l'abri de taux et du la galerie un petit peu plus loin. Ça va ressembler à ça après. C'est bon? Okay. Donc, membre du conseil, qui propose le PIA? Propose. Monsieur Lemay? Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. 849 PIA, lot 5 902 535 rue du Refuge. Alors, ici, donc, même chose, secteur d'élévation, on est dans la zone RV 34, même projet que les deux demandes précédentes, là, permettre aux propriétaires de construire une résidence unifamiliale dans le cadre du règlement. Le comité consultatif a procédé donc à cette étude-là, en recommande l'approbation, et il y avait ici, non, on est au point du refus, je vois que c'est ça. Donc, il y avait la question de l'éclairage qui était en jeu également. Et oui, je voulais donc dire que le comité consultatif en recommande la progression. Parfait. Qui propose le PIA pour la rue du Refuge? Je propose. Ce sont les propos? Tout le monde est d'accord? Oui. Je crois aussi qu'on lui avait demandé d'avoir des détecteurs de mouvement pour éviter d'avoir des lumières. Absolument. Trop éblouissantes. Exactement. Oui, effectivement. Donc ça fait partie du PIA. Donc, c'est correct encore pour la proposition? Oui. C'est bon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. On va aller à 861, dépôt du rapport de consultation publique sur les premiers projets de règlement 673-2023 à 735-2023 et 737-2023, modifiant le règlement 642-2022 de zonage afin d'interdire l'usage additionnel d'hébergement touristique de type résidence principale dans les zones suivantes. Il y a une 61 zones, M. Lépine, dis-tu bien ça? Exactement. 61 zones, donc on interdit les Airbnb dans les résidences principales. Donc, M. Lépine, c'est le dépôt du rapport? Oui, le dépôt du rapport de consultation publique. Et je signale également au Conseil que l'adoption des seconds projets de règlement se fera au cours d'une séance extraordinaire qui se tiendra mardi prochain, 19h. Exact. Donc, prochaines étapes, on fait le dépôt du rapport de consultation publique ce soir. C'est pour dépôt au conseil. Il y avait deux personnes qui se sont présentées à la consultation publique. On a répondu aux questions des gens qui étaient présents. Et puis, la prochaine étape, comme disait M. Lépine, la semaine prochaine, mardi soir, on va faire une réunion spéciale juste pour avancer le dossier en adaptant le deuxième projet de règlement qui ne change pas par rapport au premier. Et suite à ça, il va y avoir des registres ouverts dans chacune des 61 zones pour savoir si vous voulez un référendum sur l'interdiction des locations court terme dans ces zones-là. La manière que les registres fonctionnent, c'est la zone concernée et les zones contiguës qui peuvent voter sur l'interdiction de locations court terme. Donc, M. Lépine va faire les dates de ça. C'est un travail colossal parce qu'il faut déterminer des listes quasi-électorales pour chaque zone et déterminer qui est éligible à voter et qui ne l'est pas. Et suite à ces registres-là, bien, le conseil aura la décision à prendre s'il y a assez de signatures par zone, si on va en référendum ou non, concernant ça. Fait que c'est les prochaines étapes
Mardi soir prochain, si vous êtes libre, ça ne sera pas une longue réunion, mais on va adopter le deuxième projet de règlement. Ça devrait durer 5 minutes. Mardi prochain. Donc, c'était pour dépôt, M. Lépine? Oui. On va aller à 862 Toponomie, Domaine Beaulieu, rue Pagé. M. Lépine. Oui, alors, il y a une nouvelle rue là, qui est en train de se construire sur le domaine Beaulieu. C'est un projet qui a été autorisé par le conseil municipal. Le promoteur suggère donc que le domaine rue Pagé soit attribué à cette rue. Le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande conformément au règlement et donc recommande l'acceptation de cette proposition-là. Je vous signale que la proposition rue Pagé du promoteur a été inspirée évidemment des suggestions et de la liste qui a déjà été établie là, ou en tout cas proposée par l'association historique pour des odonymes de rue. Qui propose la rue Pagé pour le même Beaulieu? Madame Cossette propose, tout le monde est d'accord? Oui, je voudrais quelque chose de plus original. Merci. Ça fait partie de la liste que l'association historique nous propose. La famille Pagé a quand même contribué pas mal dans le coin. 863, nomination comité consultatif d'urbanisme, M. Lépine. Oui, alors on a eu la démission, en fait, on a pris acte de la démission d'un membre du comité consultatif d'urbanisme récemment. Alors, proposition de nomination de M. Clément Bastien à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme pour un mandat de 2 ans. Parfait. Qui propose la nomination de M. Bastien? Le maire propose, tout le monde est d'accord? Oui. J'aimerais peut-être rajouter quelque chose à la résolution pour remercier, c'est Mme Valiquette qui a donné cette émission. J'aimerais ça remercier Mme Valiquette pour son service au comité consultatif d'urbanisme, si vous permettez. Oui, oui. Parfait. Merci à Mme Valiquette pour son service au niveau de ceci. 9.1, rapport de notre directrice, Mme Gauthier, as-tu des questions? Non, ça va? À ce moment-ci, je vais passer encore une fois la réunion à M. McLaurin, qui est le promaire pour les 3 mois, pour la prochaine résolution, puisque je suis un employé de David Riddle Excavation. M. McLaurin. Okay. Outdoor Network. Contract development of a site for the bike stop, east entrance to the municipality. Whereas the municipality intends to carry out a bicycle rest area project at the eastern entrance of the municipality. Whereas this project is included in the 2023 to 2025 3-year capital expenditure program and is financed through a grant from the MRC as well as the Parks and Green Space Fund. Whereas the provisions of the regulation 5571-2019 respecting contract management relating to direct agreement contracts. Whereas the project calls for the awarding of a contract for the landscaping of the site of the footbridge leading to the river, and that this contract has an estimated value of less than $50,001. Whereas the Recreation, Culture, and Community Life Department, in accordance with the municipality's purchasing and supply policy, conducted a search among 3 suppliers and obtained written bids from 2 suppliers, only one of which complied after one of them withdrew its bid. Considering that the only compliant bid was received from David Riddle at a cost of $30,500 plus taxes. Whereas the discussions were held at the sole compliant bidder pursuant to the section 938.3 of the Municipal Code, and in doing so, the bidder agreed to revise his bid to $30,500. That was a really big come down, plus taxes as evidenced by his revised bid, which council members have had the opportunity to review. Considering that after analyzing the tenders received, a report was submitted recommending that the contract be awarded to the lowest compliant bidder following discussions held in accordance with the law. Considering the Act Respecting Municipal Works, RLRQC 14, proposed by that the preamble of Form Integral Part to authorize the development of land on municipal lot 3735068 Chemin de Village, facing Rue Bois de Rousseau.
to award the contract for landscaping work to David Riddle Excavation Transport in the amount of $30,500 plus taxes, submit to the subject to obtaining a required ministerial authorization. To authorize the Director of Recreation, Sports and Community Life, and she is hereby authorized, or that's okay, hereby authorized to sign for and in the name of the municipality all documents ratifying the present contract. Want to do that, French? Alors, juste à la limite de Saint-Sauveur, sur le chemin du village, il y a le Grand Marais, et la municipalité possède des terrains sur le Grand Marais. Historiquement, les associations de canaux se mettaient à l'eau dans ce coin-là. Il y avait un projet qui avait été proposé il y a quelques années pour faire une halte routière. C'est ce qui se fait cette année. Alors, c'est toute la paperasse qui vient avec, là. Alors, attendu que la municipalité entend réaliser un projet de halte routière à l'entrée est de la municipalité, attendu que ce projet est prévu au programme triennal d'immobilisation 2023-2024-2025 et est financé via une subvention de la MRC et que le fonds des parcs et espaces verts. Considérant les dispositions du règlement 571-2019 sur la gestion contractuelle relative au contrat gré à gré, attendu que le projet prévoit l'octroi d'un contrat pour l'aménagement du terrain devant accueillir la passerelle menant vers la rivière et que ce contrat a une valeur estimée de moins de 50 000 $ et un sou, attendu que le service des loisirs, de la culture, de la vie communautaire a procédé conformément à la politique d'achat et d'approvisionnement de la municipalité, à une recherche auprès de 3 fournisseurs et que l'obtention d'offres écrites par 2 fournisseurs, dont la seule conforme conforme après désistement de l'un de ceux-ci, considérant que la seule soumission conforme reçue est la soumission de David Riddle, 30 500 $ plus taxes, attendu que les discussions ont été tenues avec le seul soumissionnaire conforme en vertu de l'article 938.3 du Code municipal et que ce faisant, étant donné que c'est le seul, on a le droit de parler, celui-ci a accepté de reviser sa soumission à la somme de 30 500 $ taxes en sus, telle que fait foi sa soumission revisée dont les membres du conseil ont pu prendre connaissance, considérant qu'il a été proposé à l'analyse de la soumission reçue et qu'un rapport a été déposé, il recommande l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, suivant les discussions tenues conformément à la loi, considérant la loi sur les travaux municipaux RLRQCHT 1374, sur une proposition, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente, d'autoriser la réalisation des travaux d'aménagement du terrain sur le lot municipal 3 735 068 du chemin municipal face à la rue Bois du Ruisseau, doit octroyer un contrat pour les travaux d'aménagement de terrain à David Riddle Excavation Transport pour un montant de 30 500 $ par sensu, conditionnellement à l'obtention des autorisations ministérielles afférentes, d'autoriser la directrice des loisirs et de la culture et de la vie communautaire, et elle est par la présente autorisée à signer pour et au nom de la municipalité tout document devant donner suite pour à la présente. C'est complet. Propose. Question. 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 Les questions sont à la fin, Madame Majous. Questions at the end of the meeting. Don't be long. Monsieur Pen, j'aimerais juste qu'on rajoute que j'ai déclaré mon. Oui, ça va être fait dans la. Parfait. Ouais. Au début, parce que c'est pas marqué dans la résolution. Louise, qu'est-ce que c'est? Je propose l'obtention du contrat. Je suis d'accord. Aucune opposition. Merci beaucoup, messieurs. On va aller à 951, octroi d'une aide financière supplémentaire au festival Super Folk pour l'édition 2023. Donc, considérant que l'édition 2023 du festival Super Folk se tiendra entre les 18 et 20 août prochains, attendu que le conseil a alloué, en vertu du budget de fonctionnement 2023 de la municipalité, une subvention de 5 000 $ à l'organisme responsable de l'événement, considérant que la municipalité ajoute une contribution annuelle en ressources humaines et matérielles, attendu que le conseil constate que cet événement est un vecteur important de la vie culturelle dans la municipalité et dans l'ensemble de la région,
considérant que, suivant une décision du 2 mai 2023 du ministère du patrimoine canadien, l'organisme a vu sa subvention annuelle amputée de 30 000 $ et ce, à quelques semaines de la tenue de l'événement de l'édition 2023. Attendu que cette décision crée un manque à gagner financier important à l'organisme, il est proposé de voter et affecter des crédits supplémentaires de 10 000 $ au compte 02-702-90-516, à même le surplus de fonctionnement non affecté de la municipalité, d'accorder une subvention additionnelle non récurrente de 10 000 $ à Festival Superfolk pour l'organisation de l'édition 2023 et d'autoriser le directeur général à signer tout document devant donner suite à la présente. Qui propose le Pauvre Carole, Mme Patnaud, tout le monde est d'accord. Mme Patnaud, il est vite. Je vous le dis, là, avant la fin, il faut acheter des buzzers. Oui, Mme Patnaud, il est vite ce soir. C'est comme un jeu à la télé. J'ai pas le temps, moi. Donc, proposé par Mme Patnaud, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 961, levée de probation, Mme Marie-Ève Gauthier. Donc, attendu que Mme Marie-Ève Gauthier a été embauchée à titre de directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire le 9 novembre 2022 par résolution du Conseil. Considérant le contrat lié à la municipalité à Mme Gauthier, laquelle prévoit une période d'approbation de 6 mois à compter de la date d'embauche, considérant l'évaluation positive dont a fait l'objet Mme Gauthier par le directeur général, attendu que le directeur général formule une recommandation positive pour mettre fin à l'approbation de Mme Gauthier, il est proposé d'autoriser la fin de l'approbation de Mme Gauthier et conformément au contrat de travail de cette dernière. Je dois souligner que Mme Gauthier s'est très bien intégrée à l'équipe municipale, puis je pense que elle va être un bon atout pour la municipalité. Donc, qui propose la levée de la probation? Je propose. Monsieur McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Merci. Donc, félicitations à Mme Gauthier d'être un employé permanent à la municipalité. 962, embauche préposée au service de la clientèle. Monsieur Lévin. Oui, alors, on a des postes de préposés au service de la clientèle qui sont vacants au service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Un appel de candidature a été lancé à la fin des pourvoirs. Alors, il y a un comité de sélection là, qui a analysé les candidatures pour ces postes et formule 2 recommandations de procéder à l'embauche de M. Mathéo Potvin et Eliott Potvin à titre de préposé au service à la clientèle, poste non syndiqué permanent à temps partiel, conformément à la politique sur la rémunération du personnel temporaire et saisonnier du service des loisirs de la culture et de la vie communautaire. Je signale que ces postes en particulier seront subventionnés en partie par par le programme d'emploi été Canada. Parfait. Qui propose l'embauche de M. Mathéo Potvin et Eliott Potvin? Ça a l'air que ce n'est pas des frères. Je propose, je les ai rencontrés. M. Saunier propose, tout le monde est d'accord? Oui. C'est les jeunes que vous allez voir dans le petit cabanon face au parc et au parc Loomis. Subvention est à 50% du salaire. Subvention 50% du salaire. Donc, j'ai-tu un proposeur? Je propose. Oui, si ce sonnier propose, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Vous avez pris au point 10 connaissance de la correspondance reçue et envoyée par la municipalité. Y a-t-il des questions? Ça va? Peut-être à ce moment-ci, j'aimerais ça féliciter quand même les organisateurs de la Fête du Canada qui ont fait un travail colossal jusqu'à la dernière minute où on est obligé de tirer la plug parce que l'eau du bain était pleine. Fait que, écoute, il nous reste les feux d'artifice qu'on a 6 mois pour les utiliser. Donc, le conseil est en train de regarder quand est-ce qu'on va faire sauter les feux d'artifice. On va vous avertir d'avance et on va profiter de ces feux d'artifice-là. Malheureusement, tout le reste des activités ont dû être cancellées à cause de la mauvaise température. On était plusieurs au centre de ski la journée même. Puis je peux vous dire qu'il y avait des fils électriques dans l'eau puis c'était au fait très dangereux. Donc, il n'y avait aucun autre moyen de reporter ça. Je sais que les gens étaient très contents d'avoir The Box comme groupe principal. On va peut-être essayer de les revoir pour l'année prochaine. C'est un pétard mouillé. Donc, prochaines activités à l'agenda, ben, il y a le Art More Nights qui a son exposition estivale qui s'en vient. Et puis, Superfolk au mois d'août. On va avoir la chance de le redire à notre réunion du mois d'août. Est-ce que j'oublie quelque chose, membre du conseil? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent présentement? On a fait peut-être juste une chose. On a fait l'ouverture des sentiers de vélo de montagne la semaine passée à Ski More Nights. Il y a eu une subvention de 150 000 $ qui a été accordée à le club de vélo Pays d'en haut. Et puis, ils ont fait, je pense qu'ils sont rendus à l'ultime, il va être 12 km de sentiers. D'après moi, il y en a 6 ou 7 de complétés.
J'aimerais juste mentionner également qu'il y a un athlète qui est sorti du club de vélo Pays d'en haut qui reste pas loin de Moulins à Saint-Sauveur. Son nom, c'est Zorak Taillé. Et il compétitionne à l'international en Europe présentement dans les U23 et il performe très bien en vélo de montagne. Je pense que le projet qu'on a fait en conjoncture avec la, ben, conjointement avec le club vélo Pays d'en haut, Samuel Mornight et la ville, permet de développer ces athlètes-là, un peu sur le modèle qu'on a fait avec les Fondeurs Laurentides. Les Fondeurs Laurentides avaient besoin des sentiers avec un petit peu plus de niveau de difficulté. On a fait des sentiers qui sont maintenant classés FIS et les athlètes des Fondeurs Laurentides, ils performent très bien à cause de ça. Donc, je pense que c'est un beau partenariat. Ceux qui veulent louer à ça des vélos de montagne, ils louent des vélos à Summit Mornings également. Si vous voulez essayer des vélos de montagne à double suspension, il y en a à Ski Mornings avec tous les équipements requis. Électrique? Non, là, c'est pas des électriques. Ceux-là, il faut pédaler. Il y en a électriques, je pense, en bas ici à Equaloa. Motorisé. Sur le pile, oui, il y a en fait des spectacles au parc Loomis oui. Depuis un certain temps. Ah, oui, oui, on va essayer de les mousser un peu. Oui. Il y en a eu déjà un, mais c'est le fun sur le bord de l'eau, les petits bandes qui vont au parc Loomis, ça va être intéressant. D'autres choses, monsieur, demande du conseil? Non. Ça va? Donc, à ce moment-ci, je demanderai aux gens qui veulent poser des questions juste de venir au micro, vous nommer et poser vos questions. Oui, Dr. Major. Madame Major. Could you explain that $30,700 for bicycle stuff? Exactly what are we getting for that money? Sure. At the limit of Saint-Sever and Moore Heights, we are making a parking lot for four cars under the hydro lines. You know where the hydro lines are at the limit there between Saint-Sever and Moore Heights off Village Road? And we're the contract is for basically for the parking lot. On top of that, there's going to be a wooden walkway with an observation post made so that people can look at the animals and the vegetation in the marsh down by the Salmon River. So that's not included in the 30,000, but that's part of the project. And I think we got, on a combien de subvention, monsieur Lepin? 35,000. We got $35,000 from the MRC to do that project. Okay. Question? Merci. Allez-y, madame Colette. Vous avez dit la dernière fois qu'il n'y avait pas de stationnement, donc que c'est à cause de la subvention qu'on s'est permis un stationnement? Bien, on voyait mal comment on pouvait faire un alt-cycliste sans avoir un petit stationnement pour que les gens qui n'ont pas de vélo puissent y aller, tu sais, en profiter. Fait qu'on fait un stationnement à quatre places. Ah, oui, c'est pas un problème. C'est parce que vous aviez dit le contraire. Vous avez raison, mais j'ai vu des plans pour la première fois cette semaine. Vous avez tenu compte aussi que l'eau monte, là, au printemps? Absolument. Parce que cette année, ça a monté jusqu'au pignon électrique, donc... Oui, le stationnement, il y a un mur de roche qui va être fait, avec un mur de roche. Pour le stationnement? Pour le stationnement. Puis la passerelle va prévoir que l'eau ne passe pas par-dessus? Absolument. La passerelle va être sur des pieux, je présume. Je n'ai pas vu les plans de la passerelle encore, mais j'imagine que ça va être sur des pieux glissables. Qu'il y a une dame de castor qui se fait un petit peu plus lourd. Il y en a en haut et en haut, il y en a de deux côtés. Absolument. Donc, tout ça est tenu en compte avec la hauteur de la passerelle. Et beaucoup de canards. Monsieur Fiorelli. Bonsoir. Il n'y a pas un collègue de Seine depuis vous? Vous avez 100% raison, je pense. Ici, merci beaucoup. Oui. Je suis allé à Bellevue, oui. Je suis collègue de Seine au chalet Bellevue, le 2. N'oubliez pas ça parce que c'est très important pour les gens qui en ont besoin. Monsieur Jean. Bonjour, le 28-29-30, ici même, c'est la foire des bouquinistes de l'Association des auteurs. Beaucoup de livres usagés en français et en anglais, et aussi une opportunité de rencontrer des auteurs locaux, dont moi-même, j'y serai vendredi, je crois. C'est le point numéro. C'est bien noté, M. Jean, puis effectivement, je l'avais oublié. Et je vous y attends. Point numéro 2. Dans nos finances, j'ai vu qu'on devait payer des dépenses de publicité Facebook. Ouais. Est-ce que c'est une habitude de la ville où on va suivre un mouvement avancé par le gouvernement canadien pour ne pas faire de dépenses Facebook considérant que... Vous avez 100% raison. Il faudrait, d'après moi, éliminer ces publications-là jusqu'à temps que Facebook et Twitter se conforment à la loi fédérale. Puis je pense qu'on devrait absolument suivre le mouvement pour ça. Parce que, écoute, il faut qu'ils rémunèrent les gens qui font le contenu des nouvelles de façon correcte. Ce n'est pas le cas.
Et le dernier point, sur le site Internet de la ville, dans la section urbanisme, il y a un petit lien qui dit « Consultez la carte des zones de la ville pour une référence rapide ou quelque chose semblable. » Ça ne marche pas. Et ça nous amène sur une page qui n'existe pas. Et ce serait bien pratique quand on a des règlements RV2, RV27. Oui. Merci, M. Jean, on va faire la correction. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, nous autres, on reste à la fin de la réunion si vous avez des choses personnelles déjà dites. Oui, Mme Colette, allez-y. J'ai une autre question, oui. C'est à propos de l'Institut des territoires. Oui. Oui, je vais vous dire qu'on a finalement reçu un certain rapport. Bien, écoute, ça a rentré. Les membres du conseil n'ont pas eu le temps de prendre connaissance encore. On va le distribuer. Ouais, c'est ça. On va laisser les membres du conseil en prendre connaissance, puis après ça, on va le rendre public suite à ça. Okay. Fait que je vous dirais, donnez-nous un mois pour le lire, puis regardez ça comme il faut, puis après ça, on va le mettre public pour tout le monde. Donc, Ah, vous avez les comités consultatifs en environnement, vous allez avoir les primeurs avant les groupes. Merci. C'est bon? C'est ça le bénévolat. Des fois, ça donne des petits avantages. C'est bon? D'autres questions? Monsieur Lemire? Je propose à l'arrivée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Si jamais vous avez d'autres questions, je reste jusqu'à la fin de la soirée. Merci. Merci tout le monde d'être là. Bonne soirée.